Oh Mann, es nervt mich so, dass wir jetzt noch diesen Praktikumskurs haben. Wir haben schon so viel zu tun hier an dieser französischen Uni. Ja, ich habe auch wirklich keine Lust mehr, weißt du. Wir haben auch alle schon irgendwie unser Praktikumsblatt. Und jetzt erzählt ihr uns wieder, wie man irgendwie ein Praktikum findet. Tja. Non, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, les journées sont longues, hein, mais bon, on a un programme important devant nous. Voilà. Je vais vous présenter le plan de notre séance d'aujourd'hui. Alors, donc, comme vous le savez, il s'agit de la méthodologie de la recherche de stage. Et alors, j'ai divisé la séance en trois parties, selon les étapes du stage, en fait, de la préparation d'un stage, à savoir la première étape, qui consiste à poser sa candidature, à réfléchir sur ses atouts, sur ses objectifs, et ainsi de suite. La deuxième étape, c'est le stage lui-même, qu'il faut tout de même préparer. Et finalement, vous avez le rapport de stage que vous rédigerez une fois terminé le stage pour que vos employeurs... Mais messieurs, on sait tout ça déjà parce que presque chacun a déjà un stage. Pourrait-on peut-être passer à la deuxième étape directement? Ben, écoutez, j'ai été demandé de vous préparer un séminaire pour vous soutenir dans vos démarches. Et je vais faire ce qu'on m'a demandé de faire. Hein. Je pense qu'il y a une certaine utilité et puis on ne peut pas, comme ça, sortir du cadre. Hein. Il n'y a pas question. Donc, venons-en à la première étape, la candidature. Comment faire le bilan d'abord de ses acquis, de sa formation. J'ai l'impression que vous êtes très inattentif. Je vous demande une petite minute d'attention, s'il vous plaît. Bon, alors, comme vous le savez, il faut bien mettre en relief vos connaissances en langue étrangère et aussi vos connaissances informatiques. Écoutez, ça va pas, hein, je ne peux pas travailler comme ça. Hein. Non, mais désolé, vraiment. Hein, donc, si vous ne vous intéressez pas, bon, au revoir. Bonjour, chers collègues. Monsieur Clément. Vous allez bien? Ça va bien. Et vous? Bah écoutez, oui, ça va, mais bon, figurez-vous ce qui m'est arrivé. J'étais avec nos Allemands, hein, vous les connaissez, hein, oui. De notre groupe. Oui. Alors là, j'étais en séminaire avec eux, hein, vous savez, ce truc sur le séminaire sur le stage, en fait, la préparation au stage. Oui, c'est très utile. Ben c'est oui, justement. Ben oui, moi, c'est important. Mais eux, ils n'en sont pas convaincus. Il y en a qui ont osé me dire que c'était pas utile. Parce qu'ils avaient déjà... Oui, ils ont dit ça en cours. Mais au début, j'ai même pas eu le temps d'exposer mon plan. Alors que quelqu'un a dit, non mais enfin, ça sera pas, non. C'est pas utile, tout le monde a déjà trouvé un stage, on n'a pas besoin de ça. Et puis bon, je leur ai expliqué que j'avais quand même une mission à remplir. On le fait pour eux, hein. On le fait pour eux, et bon, et on m'a chargé de le faire, enfin je remplis ma mission. Bon, j'ai continué. Oui. Alors là, il y en a qui ont mangé leur casse-croûte, qui se sont ennuyés, qui ont tapoté sur leur smartphone, leur tablette. En fait, c'est pas possible, c'est inouï, hein. Ah, il faut faire quelque chose. Écoutez, je le verrai tout à l'heure. Je vais bah oui, en fait, je vais laisser à mon lit. Oui, d'accord. Hein, merci beaucoup. On ne peut pas laisser ça comme ça. Hein, bah non, parce que moi, je suis vraiment énervé. Enfin, je suis sorti sans mot dire. Enfin, normalement... Bon, non, écoutez, vraiment, je vous tiendrai au courant. Ok, hein, merci beaucoup. D'accord. Salut, bonne soirée. Bon, écoutez, je suis là, je viens de croiser Monsieur Clément qui vient de me raconter ce que vous avez fait pendant son cours. Vous vous êtes vraiment comporté d'une manière impossible, inadmissible, et en tant qu'Allemands... Qui doivent être les ambassadeurs de leur pays, qui doivent développer aussi de la diplomatie, du tact et du respect. C'est irrespectueux vis-à-vis du collègue. Et non, je ne veux rien entendre, vous venez dans mon cours... Vous venez dans ma permanence et on en parlera tranquillement. Pour l'instant, vous allez réfléchir. Et laissez mûrir ce que je viens de vous dire. Au revoir.